Salut à tous, c'est Xenia Mustafayeva. J'espère que tout va bien pour vous à la maison et c'est parti pour répondre à quelques questions. Part, j'ai eu plutôt deux émotions. D'un côté, j'ai eu la frustration et cette tristesse qui est arrivée parce que la semaine d'après le confinement, j'étais vraiment prête à partir à ma première compète et après aller chercher cette qualif. Donc tout le travail qui a été mis en place depuis les championnats du monde, c'est tombé à l'eau. Tous les efforts, c'est tombé à l'eau aussi. Donc voilà, c'est vraiment dur à accepter et c'est un peu frustrant. Et d'un autre côté, après les championnats du monde, on a une période très très courte pour être prête et pour assimiler les nouveaux enchaînements notamment. Donc là, ça nous laisse une période de plus pour justement assimiler encore plus, travailler encore plus, être encore plus précise et justement peut-être revoir en ce moment le contenu, ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut modifier. Travailler aussi la stratégie de l'entraînement parce que quand on veut aller vite, des fois, on grille un peu les étapes. Et voilà, ça va me permettre de me ressourcer, de soigner mes bobos, mes blessures et de repartir encore plus forte. Je m'entraîne, bien sûr, je vais faire du vélo autour de la maison, 1 km, bien sûr, pas plus. Je m'entraîne le soir, spécifique GR, avec de la préparation physique. Je travaille sur mes cours aussi, parce qu'avec les compétitions, j'avais pas trop eu le temps, donc là, je m'investis beaucoup sur ça. Je donne des cours aussi dans des clubs, notamment à Nogent-sur-Marne, pour aider les jeunes. Où je suis en formation, d'ailleurs, pour mon diplôme d'entraîneur. Je fais plus la cuisine maintenant qu'avant, j'adore cuisiner. Là c'est nos fêtes de Pâques, je suis orthodoxe, donc je vais faire un peu de peinture, je vais colorier les œufs. J'écoute des podcasts, j'avais pas l'habitude d'écouter ça et c'est vrai que j'ai découvert et c'est pas mal. Des livres audio aussi, j'ai commencé à écouter des livres audio et c'est totalement différent de la lecture. C'est vrai que c'est une période très difficile, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de garder le positif dans cette situation. Et si on reste à la maison, on sauve des vies, quoi, et c'est pas n'importe quoi. Donc vraiment, faut prendre son mal en patience. Et moi, j'essaie de prendre sur moi, de rester à la maison, de travailler comme je peux au maximum, même si on peut pas faire autant de choses que dans un gymnase. Donc voilà, malheureusement, faut accepter et faut essayer de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Et surtout, je tiens à vous dire, si c'est une période difficile, on le sait tous, mais rester à la maison, c'est le plus important. Même si avec le beau temps, on a envie de sortir dehors, mais vraiment, restez à la maison. Prenez votre mal en patience, c'est pour sauver des vies et c'est vraiment très important. Et bravo aussi et merci à ceux qui travaillent toujours aujourd'hui, qui nous aident quotidiennement. Et on vous remercie vraiment pour ça. Bisous.